sunshine and make me feel happy all the long of the road. Oh, when you send my me close, close, baby. Excusez-moi, mais je suis perdu. Je cherche la maison de monsieur Trek Mowgli. Vous savez si je suis dans la bonne direction? Non, je suis perdu comme vous. Moi, je cherche le restaurant Le Bambou. Ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. C'est ma première livraison. Je suis nouveau dans le boulot et je ne connais pas du tout le coin. Même avec une carte, j'ai du mal à me repérer au milieu de tous ces arbres et ces champs. Moi non plus, j'ai jamais été très forte en orientation, surtout en campagne. Je vais essayer par là. Si je ne livre pas mon client ce soir, je risque de perdre ma place. D'accord, je recule. Ok. Bonne chance. Merci. J'ai cru que tu n'arriverais jamais. Désolée pour le retard. Bon, en fait, j'ai eu du mal à trouver ma route et je suis incapable de me repérer sur une carte. L'important, c'est que tu sois arrivé. Monsieur Mowgli! J'ai un paquet pour vous! Vous voulez bien me signer le bon de livraison, s'il vous plaît? Tenez. J'espère que vous allez vous plaire dans mon établissement, Kane. Ah, je l'espère.
Sec. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Deux personnes? Oui. La table au fond à gauche. Merci. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au restaurant Le Bon Goût. Je vais vous faire un répertoire de mes compositions personnelles. J'espère que vous allez bien apprécier. Merci, bonne soirée. Tous les soirs comme ça, patron? Comment ça, comme ça? C'est toujours aussi mou? Les gens viennent ici pour manger, pour boire un coup. Le concert, en fait, est une idée à moi. C'est un plus. Apparemment, les clients ne sont pas disposés à écouter de la bonne musique ce soir. Vous ne saurez pas comment faire pour attirer l'attention du monde de cons venus ici avec de la cire dans les oreilles? Écoute, ma jolie, la vodka te monte à la tête. Lougnac m'a dit que tu étais une fille réglo. Tu vas pas commencer le premier soir à nous faire des histoires. Allez, prends ta guitare et va jouer. La pause est terminée. Kane, c'est ma tournée. Je m'excuse pour tout à l'heure. Vous m'en voulez pas? C'est oublié. Buvons à notre collaboration. À notre collaboration? Vous savez, je me sens surveillée quand je chante. C'est curieux, j'aime pas ça. Je suis pas flic. Je te fais confiance. Mais la musique, c'est ton boulot. Les clients, c'est le mien. Non, mais c'est pas vous. Lui. C'est mon porte-bonheur. Il était là quand j'ai racheté l'affaire. C'est lui qui a fait la réputation de mon restaurant. Ici, les gens chassent de génération en génération. Le cerf, c'est un animal mythique.
mais il n'y en a pas dans la région. Et pourtant, ils rêvent tous d'avoir l'occasion d'en tirer un. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent chez moi. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ne viennent pas pour la vodka. Je te resserre un verre ? Merci. Et celui-ci ? Comment est-il arrivé là ? Je ne sais pas. Il y a une sorte de mystère sur cet animal. Braconnage, piégeage, j'ai jamais su. Et je vais te dire au fond, dès qu'on touche à la chasse, vaut mieux pas chercher à savoir. N'empêche que je me sens surveillée, comme observée quand je chante et j'aime pas ça. Pour régir le déjeuner de la chanteuse. Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, c'est pourquoi ? Le petit déjeuner. Quoi, le petit déjeuner ? Ben, il est 10h moins le quart et nous servons le petit déjeuner jusqu'à 10h, point. Je voudrais pouvoir dormir. C'est comme vous voulez. Mais je tiens quand même à vous rappeler que le petit déjeuner est compris dans la demi-pension, mais pas le repas de midi. Je n'ai pas faim. Je voudrais pouvoir dormir. Thank you.
Je suis hibou. Et t'es plumé ou t'es déplumé? Oh, ça serait plus chouette si t'étais déplumé. Ouh. Oh, je te dis, le petit déjeuner est servi dans la cuisine. Oh, surtout, sois discrète, le petit déjeuner est servi dans la cuisine. Allez, ciao! Bonjour, vous allez où comme ça? En quoi ça vous regarde? Vous faites la circulation? C'est pas parce que j'ai une arme que je suis de la police. Hein. Je suis chasseur de sangliers et justement on vient de lancer une traque. En quoi ça me concerne? En rien, mais moi je vous conseille d'aller plutôt par là. Mais quel pays! La seule personne que je croise hier m'oblige à faire marche arrière et aujourd'hui c'est vous qui m'imposez la direction à prendre. Je ne vous impose rien, je suggère. C'est pour votre sécurité. De ce côté-là, c'est la traque. Si les chiens lèvent quelque chose, il va y avoir des coups de feu. Et de ce côté-là, on n'a pas le droit de chasser. Allô? Kane, comment ça va? Moi, j'ai eu Berto ce matin. Il m'a dit que la soirée s'est bien passée. Pas vraiment, non. Les gens sont bouchés, ils sont hermétiques à la musique ici. J'ai joué toutes mes compositions et il n'y en a pas un qui a applaudi. Je sais plus quoi jouer. Trouve-moi autre chose, je m'angoisse ici. Je sais que c'est pas facile, mais c'est le premier soir. On attendra le week-end et on avisera. Kane, tu m'entends, Kane? Allô? Allô, Kane? Monsieur, il y a un animal à terre là-bas. Par là? On a lancé la traque de ce côté. J'ai pas entendu un seul coup de fusil. Vous me faites marcher, non? Non, je vous assure, je dis la vérité. Je me méfie, moi, des gens de la ville. Il est en train de mourir. Il faut faire quelque chose. Ouais, mais je peux pas quitter mon poste, hein. Et il est comment, cet animal? Il est marron. On dirait une chèvre. Marron? Une chèvre? Chevreuil.
Bah, il était là, étendu au sol. Je l'ai même touché. Ouais. Il a dû partir. J'ai bien cru qu'il était mort. Je comprends pas. Ça, pour repartir, il est reparti. Mais pas sur ses quatre pattes. Non. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ça, c'est l'Indien. C'est qui, l'Indien ? L'Indien, on l'appelle l'Indien parce qu'il chasse avec un arc. Il se maquille le visage. Quand il a le visage bariolé, il ressemble à un Indien, alors on l'appelle l'Indien. Mais il chasse réellement avec un arc et des flèches ? Ah oui. Moi, je suis admiratif parce que nous, avec des carabines et des fusils, on a déjà du mal. Hein. Mais lui, il approche l'animal à 15 mètres. Et pour approcher un chevreuil à 15 mètres, c'est quasiment impossible. 15 mètres ? Mais il était tout prêt ? Pourquoi il ne s'est pas manifesté ? C'est un homme solitaire qui aime ça. Parce qu'il faut y courir pendant des jours et des jours après la bestiole. Nous, c'est les chiens qui nous mènent à elle. Et c'est pas moi qui ai le nez, c'est le chien. Lui, il est tout seul. Il chasse par ses propres moyens. Oui, mais c'est pas une raison pour se comporter comme un voleur. Non, non. Croyez-moi. C'est tout sauf un voleur. Les chasseurs de la région le respectent. Et même, je vais vous dire, moi, je suis fier de lui. Ouais, il est un peu sauvage et solitaire. Et puis, c'est vous qui êtes venu le provoquer sur son territoire. Nous, on chasse un peu comme les loups, en meute. Notre stratégie est simple. Elle consiste à plusieurs à secouer un pommier et ramasser tous les fruits. Et que lui, il est seul. Alors, il observe la pomme, celle qu'il veut. Ensuite, il grimpe dans l'arbre, il s'en saisit. Et, au moins, cette méthode a un avantage, c'est qu'il peut cueillir exactement le fruit qu'il a choisi.
J'étais sûr que vous reviendriez. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que vous faites là? Et qui êtes-vous? Une question à la fois. Je vous attendais. C'est vous, le chasseur à l'arc? Celui qu'on appelle l'Indien?
Indiens, cow-boys, on se croirait en plein Far West. Non, ce n'est pas moi. Mais qui êtes-vous alors? Et qu'est-ce que vous me voulez? Une question à la fois, je vous prie. Je veux vous aider. J'ai pas besoin d'aide. Pourtant, j'ai cru comprendre que vous cherchiez quelque chose. Peut-être même quelqu'un. Vous m'avez suivi, c'est ça? Non, je ne vous ai pas suivi. C'est vous qui m'êtes apparu. Et je me demande bien pourquoi. Vous n'auriez pas une cigarette par hasard? Vous êtes bien courageuse de vous aventurer comme ça, toute seule dans cette forêt, en pleine période de chasse. Vous n'avez pas peur? Mais de quoi je devrais avoir peur? On pourrait vous confondre avec un animal. Straight up again.
Hop, mais justement, j'en ai frappé. Bah, doucement, rassurez-vous. Je ne suis pas en retard ce matin. Bah, non, vous n'êtes pas en retard. C'est pas pour ça que je venais. Quelqu'un vous demande au téléphone. Kram ! Comment ça va ? Moi, c'est bon, je crois que ça va aller. Mais c'est les premiers jours qui ont été difficiles. Il fallait que je prenne mes marques. Mais tu sais, finalement, les gens d'ici sont gentils. Ouh, ouh. Je t'avais dit d'être discret. Un peu mystérieux, mais gentil. Bah, tu sais, j'irai jusqu'au bout du contrat. T'inquiète de rien, ça va aller. Ouais, d'accord. Merci. Allez, bye. Je m'excuse pour l'autre jour. Vous devez comprendre, j'ai du personnel, j'ai des clients. Et je ne peux pas faire d'exception pour les horaires. Non, mais c'est rien, c'est déjà oublié. Alors, comme ça, vous êtes chanteuse? Oui, je chante et j'écris. Et vous écrivez... Vous chantez quel genre de chansons? Ben, c'est surtout des chansons d'amour, ou les conflits qui existent entre les hommes et les femmes. Les histoires, les chansons d'amour. C'est vrai que nous, à la campagne, les histoires d'amour, on n'a pas trop le temps de s'en occuper. Et puis les conflits, ça serait plutôt avec les bêtes. Il n'y a jamais de conflit entre vous. Ça arrive de temps en temps, mais très peu dans l'ensemble. Il y en a surtout avec les chasseurs. Ça, c'est sûr qu'avec les chasseurs... Vous chassez? J'ai eu chassé, oui, j'ai eu chassé, mais aujourd'hui j'ai arrêté, je chasse plus. Un conflit? C'est la chasse qui vous intéresse ou les conflits? Et sinon, vous chassiez quel gibier? Le sanglier. Pas par plaisir, hein. Par nécessité. Juste pour protéger les cultures. Ça, c'est une bonne raison de chasser. C'est vrai, c'est une bonne raison. Les cerfs, ça fait beaucoup de dégâts? Des cerfs, il n'y en a plus. Il y a déjà pas mal de temps qu'il n'y a plus de cerfs. Il y a les chevreuils. Les chevreuils, c'est un si bel animal. Si noble que j'aurais beaucoup de mal à le tuer. En forêt, j'ai croisé un homme qui chasse le chevreuil à l'arc. Les autres l'appellent... L'Indien. Oui, c'est ça. L'Indien. Ça vous dit quelque chose? Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai encore beaucoup de travail. Pas propre mes verres? C'est pas le verre que je regarde, c'est la couleur. Et donc elle chante bien, elle va bien. Tu t'intéresses à la chanson maintenant?
Ben oui, je m'intéresse à la chanson. Pourquoi ça t'étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui s'intéressent à la musique. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Beaucoup de monde. Ça fait 6 mois que tu n'es pas venu boire un verre. Et comme par enchantement, il y a 2 jours, c'est ton neveu qui fait une apparition. Comment ça, mon neveu? Aujourd'hui, c'est toi. Avoue qu'il y a de quoi se poser des questions, quand même. Dis-moi, tu comptes arrêter le mouton et te mettre à la production de disques? Dis-moi, mon neveu, là, qu'est-ce qu'il voulait exactement là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Rien comme d'habitude. Il est simplement venu rendre le médiator à la petite. Le quoi? Le médiator, le petit bout de plastique qui sert à gratter les cordes. Parce que maintenant, il prend des cours de guitare. Peut-être. Hein. Mais alors, il n'a pas dû la payer. Parce que la façon dont elle lui a collé aux fesses quand il est parti... D'être venu. Disons que je voulais me faire une idée sur votre musique. Et alors, ça vous a plu? À vrai dire, je viens d'arriver. Puis je vais vous faire une confidence. Je comprends pas du tout l'anglais. Alors comme ça, vous avez fait connaissance de mon neveu. Votre neveu? Ben oui, l'Indien, là, le chasseur à l'arc. C'est mon neveu. Je l'ai jamais vu. Comment ça, vous l'avez pas vu? Et vous jouez pas de la guitare ensemble? Non, on peut pas dire qu'on joue de la guitare ensemble. On aurait plutôt tendance à jouer à cache-cache. Le petit jeu du chat et de la souris. Vous connaissez? Donc, tu es fermier, tu es cuisinier, ou tu joues au guignol? Je croyais qu'on avait un accord tous les deux. Mais c'est pas moi, c'est maman. Eh bien, tu lui diras ta main, et si elle continue, je lui coupe la langue. Je descends en ville, là, je perds 2 jours. Et je compte sur toi pendant mon absence pour enterrer tout ça.
Encore des blondes? Vous n'aimez donc pas les brunes? Moi, je n'ai que des blondes. Écoutez, j'ai réfléchi à votre proposition. Et j'accepte votre aide. Vous acceptez mon aide? J'accepte. Pour le rechercher, c'est ça? Oui. Alors, debout. J'ai quelque chose à vous montrer. Je veux le surprendre, comme il m'a fait avec le chevreuil. La forêt, c'est son domaine. Il la connaît par cœur. Personne ne l'a jamais surpris. Il faudrait être quasiment invisible pour le prendre par défaut. Oui, mais il doit bien y avoir un moyen. Il n'est pas invincible. Et à quoi ça va vous avancer? Je veux reprendre ce qui m'appartient, mon médiator.
cigarette, s'il vous plaît. Je crois que ça vous appartient. Alors j'ai réussi à vous surprendre. Ouais. Vous êtes surprenante. Quelque chose en vous... surprenant que j'arrive pas à définir. Pourquoi courir après ces bêtes ? J'ai jamais rien eu derrière moi qui me retienne. Emmenez-moi. Seul en forêt, je suis déjà trop. Vous me le devez. J'ai été votre proie. Je me souviens d'une histoire. Quand j'étais gamin... Un gars qui chassait à l'arc dans le Grand Nord canadien, il expliquait que, à la chasse, il fallait être sans arrêt aux aguets, avoir les yeux derrière la tête pour ne pas être surpris par un ours et devenir à son tour une proie. Et moi, à la chasse, j'ai jamais eu ce sentiment qu'il y a une présence derrière moi. Thank you.
Pourquoi t'as pas tiré? Si tu veux te changer, la douche est là. Faut que je rentre les dindons. J'aurais tiré à ta place. Mais t'es pas à ma place. C'est pas ce que c'est que de prendre la vie d'un animal. Ouais. Ça a pas l'air si dur. Rejoins-moi au poulailler. Mange demain. Tue-le. Mais toi, à force de trop chasser, ton cœur est devenu aussi pointu que tes flèches. Tu pourrais, toi, tuer un homme ? J'étais transparente. J'ai essayé de me mêler à vous. En proie à vos regards, votre attention. Et la forêt m'a transformée. Je reviens sur mes pas. C'est moi qui chasse. I won't walk in the dark night, doubting the
Dieu comme ils sont beaux, les tremblants animaux que le givre a fait naître la nuit sur ma fenêtre. Ils broutent des fougères dans un bois plein d'étoiles et l'on voit la lumière à travers leur corps pâle. Il y a un chevreuil qui me connaît déjà. Il soulève son front pour moi d'entre les feuilles. Et quand il me regarde, ses yeux sont si doux que j'entends mon cœur battre et trembler mes genoux. Laissez-moi redescendre ce chevreuil merveilleux. Je resterai sans fin dans ma vie. Votre chemin? Mais j'ai votre carte! Non, non, c'est bon! J'ai ce qu'il me faut! Surtout, sois discret. Bienvenue, mademoiselle Kate, à mon spectacle. Je vous dois la vérité, parce que vous êtes une artiste. Non. Plutôt parce que je me dois la vérité. Approchez, prenez place. Occulte, je vais te faire des révélations, des secrètes révélations. Ah, pas question! Allez, oh, pas question, hein! Je t'ai déjà dit 36 fois, hein, qu'il fallait être très discret sur ce sujet. Mais moi, je suis tout en vérité. Et sans vérité, je ne peux pas vivre. Je peux te sortir de scène, moi. Moi, j'en ai autre chose. Mais il y a une main invisible qui m'entraîne sous le... Et une main invisible qui m'entraîne sous la scène.
Oh, mais je suis... Oh, mais Hibou, tu es énorme. Non, c'est pas vrai. Je suis pas rapetissé. Non. Mais enfin, t'as vu dans quel état je suis? Tu vas maintenant... Bah donc t'es une marionnette, hein? Et ben tu vas pouvoir dire la vérité. Tu sais, Cric, que je vais te faire une confidence. La chasse, hein? Eh ben j'ai jamais vraiment aimé. Eh ouais. Ce que j'aime à la chasse, moi, c'est le fusil. C'est ce sentiment de puissance qui te procure d'invincibilité. Mon frère et moi, tu sais qu'on ne s'aimait pas beaucoup. Je vais te confier un secret. Ce jour-là, je me souviens que c'était il y a 30 ans déjà. Accident! À ce moment-là, ben, ça m'a rien fait. J'ai rien éprouvé du tout. Enfin, ça c'était au début. Quand j'ai hérité du petit, mon neveu, ben, j'ai tout fait pour qu'il soit jamais en contact avec une arme. Ben, je voulais pas qu'il devienne comme moi, tu comprends. J'aurais jamais imaginé qu'il puisse fabriquer un arc. Et pourtant, il l'a fait. Au début, il a commencé à tuer nos poules. Et aujourd'hui, ben, il est devenu le chasseur que tu connais, quoi. J'ai cru que cette histoire, c'était du passé. Je l'avais bien enfoui au fond de moi. Ça n'a rien jamais laissé paraître. Et maintenant... Tu sais, ça marche pourtant pendant des années. Jusqu'au jour où tu ressens comme des picotements. Tu sais, comme quand t'as un costume neuf, tu mets ça sur le compte de l'étiquette qui m'a cousu. Et puis tu penses qu'à ça. Ça t'irrite, ça te prend jusqu'au plus profond de toi-même. Aujourd'hui, et puis j'ai envie de changer de costume, tu vois. Ouais. J'ai envie de faire un beau cadeau au petit. Quelque chose qu'il a toujours rêvé, le grand cerf. Qu'est-ce que tu fais ?
Déconne pas! C'est moi! L'homme mort en moi! L'animal qui... Allez, le sang! Appelle le sang! Attendez, tu n'es pas loin, tu es là. Mec, le sang, appelle le sang! Libère-moi! Libère-moi, petit! Chasseurs de gibier, tu le sais! Des prédateurs!
me souviens d'une histoire. Quand j'étais gamin, un gars qui chassait à l'arc dans le Grand Nord canadien, il expliquait que à la chasse, il fallait être sans arrêt aux aguets, avoir les yeux derrière la tête pour ne pas être surpris par un ours et devenir à son tour une proie. Et moi, à la chasse, j'ai jamais eu ce sentiment qu'il y a une présence derrière moi. To call for